Good morning, allez, il y a des sujets aujourd'hui, le Lunishmat, Mouvre, Bishmol, Benjlom, Zalman, Shlomo, Binamin, Ben Mazal, ainsi que les Rufouat, Sarah, Bat, Betty, Rivka, Rafel, Zoulon, Ben Khamadia, Maria, Matrasida, et Dov, Ben Yudit, Bedor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishal, Perek, la 5 minute éternelle, nous étudions Masechet Roulin, Perek, He, Mishnah Dalet, Be'arba, Parakim, Elu, Mashritin, et Tatabach, Ba'al Kovrocho, Afilu, Shor, Shave, Elef, Dinarim, Ve'en, Lola, Lokeach, et la Dinar, Kofin, Oto, Lishrot. לפיכך, אם מת, מת ללוקח. אבל בשאר ימות השנה אינו כן. לפיכך, אם מת, מת למוכר. On va d'abord traduire la Mishnah et après on va expliquer le principe très simple. בארבעה פרקים אלו משחיתין את הטבח. À ces quatre occasions qu'on a évoquées dans la Mishnah précédente, qu'on va répéter après, mais à ces quatre occasions, alors, משחיתין את הטבח בעל כורחו. On force le boucher a égorgé malgré lui. C'est-à-dire, on avait évoqué dans la Mishnah précédente qu'il y avait quatre périodes où la consommation de viande, elle devient forte et importante parce que c'est les jours de fête. Il y avait le dernier jour du Yom Tov de Sukkot, il y avait le premier jour de Pessah, Shavuot et Rosh Hashanah. Et même Erev Yom Kippour, selon Rabbi Yossi Aglini. Ce sont quatre périodes. Dans la Mishnah précédente, on avait parlé de la nécessité que si je vends une vache et son veau à deux personnes, je dois prévenir le deuxième qui fasse attention, qu'il ne pourra pas l'égorger tout de suite, qu'il devra forcément attendre la fin de la journée, le lendemain en fait. D'accord ? Donc pendant à ces quatre occasions encore, la Mishnah, maintenant la nouvelle Mishnah nous enseigne qu'on va forcer le boucher à égorger l'animal. C'est-à-dire, on traduit tout de suite la suite. « Afilu shor shave elef dinarim » Même si un taureau qui vaut 1000 dinars, une très grosse somme, et que ve'enlo la lokeach et la dinar, et que l'acheteur n'a acquis qu'un seul petit dinar, un millième du taureau, malgré tout, kofin oto lishrot. On va forcer le boucher à égorger, malgré tout, la vache, les ficards, ils mettent la lokeach. Et pour cette raison, si la vache, l'animal, meurt, eh bien, il meurt pour l'acheteur, c'est-à-dire c'est l'acheteur qui doit assumer la perte de sa viande. À la différence, je sais que vous ne comprenez rien, mais je préfère m'acquitter des mots, et puis après, on va tout expliquer, c'est vraiment très simple. Aval Bishari Matashana, par contre, dans les autres jours de l'année, Enoken, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, c'est différent. On va pas forcer le boucher à égorger l'animal. Les Fikar, ils mettent la mochère, c'est pour cela que si l'animal meurt, alors, il meurt pour le vendeur, c'est-à-dire c'est le vendeur qui doit assumer la perte. Et j'explique, c'est très simple. À l'époque, d'abord, il faut juste rentrer un petit peu dans les baskets des gens de l'époque. Il n'y avait pas de congélateur, il n'y avait pas de frigo. C'est-à-dire, quand on égorge un animal, on avait quelques jours pour le consommer. Je ne sais pas exactement combien, mais vous imaginez bien que la viande, très rapidement, elle va se mettre à pourrir, et à tourner, et à faire des odeurs. Donc, lorsque l'usage, il était de partir acheter un kilo de viande pour... on allait chez le boucher, on lui dit, vendredi, tu vas nous donner un kilo de viande. Et comme ça, le boucher, lui, il cumule, il sait qu'il a un taureau qui a de quoi tirer, je ne sais pas combien de viande, une valeur de 1000 zouz, 1000 dinars d'argent. Donc lui, il a commencé à ouvrir, il a commandé 2, l'autre, il a commandé 4, 5, 6, non. Je sais que j'atteins à peu près les 700, 800. Alors ça y est, maintenant, je vais égorger l'animal et je vais donner à chacun sa part. Tel était l'usage. D'accord? On commandait, en fait, on achetait une part de viande. Tant que le taureau il est encore vivant, une fois que ça y est, on avait réussi donc à réunir le nombre de personnes nécessaires, on égorgeait et on partageait. C'était comme ça l'usage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans une situation où j'ai avancé mon argent au boucher pour vendredi, pour de la viande par exemple, et il avait un taureau qui valait 1000, et il a réussi finalement à vendre que 2 zouz, donc à 1/500. Je viens le voir vendredi, il va me dire, écoute, non, c'est une trop grande perte, laisse tomber, je préfère ne pas égorger mon taureau. Il est en droit d'annuler la vente. J'ai pas la possibilité de le forcer à acheter. Pour quelle raison? Alors là, ça va nous projeter dans les sougiotes de Baba Metzia et Baba Batra, où on apprenait que Ma'ot Enan Konot. Dans les deux Massertot, on avait parlé de ça. Le principe, il est très simple. Selon la Torah, lorsque je paye des biens mobiliers, je les achète en donnant l'argent. Dès que j'ai payé pour, je deviens propriétaire. Chachamim sont venus et ont dit non, on annule cette vente et on va imposer qu'il faut nécessairement
faire la meshicha, faire un acte d'acquisition direct sur l'objet en le tirant, en le soulevant, en commençant à le traîner, et comme ça on acquiert. D'accord ? Il y a des raisons pourquoi Chachamim nous ont fait cette takana, essentiellement pour que le vendeur se veille à respecter et à protéger la marchandise tant qu'il ne l'a pas fournie. Ouais, vous imaginez bien, imaginez que vous venez acheter chez moi, vous venez m'acheter un meuble ou du blé de ma grange, vous me le payez, vous me dites je viens demain, et la nuit il va y avoir un feu qui va se déclencher, Chas v'Shalom. Et je vais me réveiller, mais je vais me sentir un petit peu fatigué. Si c'est mon argent qui est en train de brûler, je me lève et je cours éteindre. Si c'est pas mon argent, alors d'un coup on va commencer à se dire peut-être je suis fatigué, peut-être. Ouais. Donc de ce fait, ils ont dit non, non, à cause de Nisrefu Chitecha Ba'aliyah, pour pouvoir protéger, engager davantage le vendeur à protéger et à respecter, et à, d'accord, et à assurer le bien de l'acheteur, donc Ramim m'a posé. Ils ont dit non, ça ne suffit plus de payer, il faut nécessairement tirer. De ce fait, tant que lorsqu'il va venir payer et qu'il n'a pas encore commencé à prendre la marchandise, alors dans ce cas-là, elle reste dans la propriété du vendeur, et le vendeur est engagé, il va partir les sauver. D'accord ? Ça, c'était vraiment une règle à connaître dans les Ilchot, Chochen Mishpat. Donc, l'argent, ça acquiert. Minatora, Merchamim ont annulé pour imposer ce qu'on appelle la Mishicha, de tirer la marchandise. Alors maintenant, on revient sur le taureau. Lorsque je paye maintenant pour le taureau, alors en théorie, j'aurais dû acheter normalement la contre-valeur de mon argent. Chachamim sont venus, on dit non, on annule la vente de l'argent. Il faut nécessairement acquérir, faire un acte d'acquisition, tirer, soulever, prendre la viande. Donc tant que je n'ai pas tiré, ça reste à... c'est pas encore à moi. De ce fait, puisque Chachamim, ils ont annulé l'acquisition, le vendeur, il a le droit de revenir, aussi d'annuler, de résilier la vente, puisqu'elle n'a pas été conclue, pour, si toutefois il a des pertes. Par exemple, il avait un taureau qui coûtait 1000, et que pour... 5 shekels, 5 euros de viande, il va dire je ne veux pas égorger le taureau. Donc, ça c'est en temps normal. À l'approche des fêtes, Chachamim ont stimulé, ils ont boosté un petit peu les ventes à ce qu'elles soient concrétisées pour que les gens aient de la viande. Chachamim ont dit que on annule notre annulation de la vente par l'argent et on va imposer que maintenant on va acquérir grâce à l'argent uniquement. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on a gagné par cela ? Que si j'ai payé maintenant au boucher 1 kg de viande, eh bien j'ai déjà acquis la viande qui est dans le taureau. Et de ce fait, je peux revenir, je suis en droit de le forcer à égorger l'animal, d'accord ? Maintenant, de ce fait, au moment où j'ai... Si toutefois il y a un incident qui se passe, entre le moment où j'ai payé et le moment où j'ai récupéré le taureau, j'ai commencé à payer les 5 kg de viande, et je lui dis, attends, je passe dans une demi-heure les chercher. Pour le moment, j'étais au marché, je suis parti de l'autre côté pour acheter mes fruits, puis il y a eu... un accident, je sais pas, un étalage qui est tombé sur le taureau qui l'a tué. Qui doit assumer la perte ? En temps normal, si je paye, le taureau n'est pas le mien. Donc la responsabilité, elle est pour le moment sur le vendeur. Donc c'est lui qui doit assumer la perte. Mais là, quand on éveille de fait, puisque Ramim m'ont dit que mon argent va acquérir, alors depuis le moment où j'ai payé, je suis devenu propriétaire de ma viande. Donc j'ai eu 5 kg de viande dans le taureau, et si finalement le taureau meurt par cause sans aucune responsabilité du vendeur, eh bien la perte c'est moi qui devrai l'assumer, d'accord ? Si vous voulez, on retraduit maintenant toute la Mishnah, vous allez voir que vous avez tout compris les attachés. Barba, Prakim, Elou, à ces quatre occasions, Mashritin, Atatabach, Balkocho, on force, Mashritin c'est la forme factitive de la Shrita, on lui fait faire la Shrita au boucher, malgré lui, d'accord ? On force le boucher avant à abattre l'animal, même s'il n'a pas eu assez de commandes. A fait le chor, j'avais élève dinarim, même s'il y a un taureau qui vaut 1000 dinars, venlo la lokiach et la dinar, et que l'acheteur n'a dedans qu'un seul petit dinar, kofin otoli shrot, on va le forcer à acheter, pourquoi ? À égorger, pourquoi ? Parce que au moment où l'acheteur il a payé, il a acquis, donc il a le droit maintenant de réclamer la shrita. L'efikar, de ce fait, puisqu'on acquiert avec l'argent cette fois-ci, im met, si le taureau ou la vache meurt avant réception de la marchandise, de la viande, eh bien, met la lokar, elle est morte pour l'acheteur, c'est-à-dire c'est l'acheteur qui doit assumer la perte. Parce que c'était le sien déjà. À la différence de Aval Bishar et Motach, on a attendu que dans les autres jours de l'année, Enoken, la loi n'est pas la même, le principe n'est pas le même. C'est-à-dire, on ne va pas forcer le vendeur à me donner la vente parce que je n'acquiers pas grâce à mon argent. Et de ce fait, les ficards, de ce fait, ils mettent. Si toutefois le taureau, ben, il est mort,
alors que je l'avais déjà payé. Non, mettre la mochère, il est mort pour le vendeur, c'est-à-dire c'est au vendeur d'assumer la perte et de me rembourser l'argent que j'ai avancé sur le taureau. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la slacha, kol tov, salam.